Bonjour à tous, on se retrouve dans LOL's Venture, dans la grotte, pile à l'endroit où je me suis arrêté dans l'épisode précédent. Je m'aventurai de façon totalement imprudente dans cette grotte, avec la folie, l'excitation, si on peut dire, entre les mobs, le Enderman, etc. Donc je propose que, dans la mesure où... Est-ce que j'ai tout sur moi? Oui. On peut s'établir un... Ah, j'aurais dû prendre mon lit. J'ai une wool, bon. Ouais. Je propose qu'on continue un petit peu à explorer. Il me reste quelques torches. Et j'ai du bois. Donc je peux en refaire. Voilà. On va se compléter quelques torches, puisque j'ai du charbon. Et puis on va continuer un petit peu d'explorer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours le dilemme dans les grottes, ça. Est-ce qu'on explore à la barbare? Ou est-ce qu'on explore bien organisé, etc. Moi je vais m'organiser un minimum. Là c'est fermé. Je vais me créer un petit enclos de sécurité pour ne pas me faire attaquer. Eh bien, j'ai trouvé une grande grotte. C'est cool. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va miner tout ce qui est minable. Ouh, c'est très joli ça comme mot minable. Mais pour ça, j'ai besoin d'une pioche, donc je vais vous passer en accéléré la fabrication de la pioche et le minage du charbon qu'il y a tout autour. A tout de suite. Vous remarquez dans la 1.8, qui est toujours en pré-release comme vous voyez, qu'il y a des nouveaux effets de lumière qui sont, bon, disons qu'on va dire que pour la nuit ça m'a l'air vachement réussi, puisque là ça fait une couleur bleutée ici, vous remarquez. Par contre, pour la lumière, je sais pas si on le voit ici, mais voilà, là les blocs clignotent, ce qui ne devrait pas arriver, et je trouve que c'est très moche. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, LOL Adventure épisode 4, je me suis demandé si c'était pas mon acquisition vidéo qui était mauvaise. Mais en fait, non, c'est le jeu. C'est les couleurs du jeu, les bugs du jeu qui clignotent un petit peu quand on met des torches. Donc voilà. Là, c'est l'extérieur, il fait nuit, je vais pas trop m'aventurer. En plus, j'ai commencé à manquer de nourriture. Je continue d'explorer. Bon, j'ai trouvé plein de ressources, il fait jour. Je vais en profiter pour chercher un mouton à exploser pour avoir Sélène, pour me faire un lit dans ce qui sera mon nouveau campement, parce que j'ai une furieuse envie d'aller explorer cette grotte de fond en comble. Alors, ne pas se perdre. On va mettre des torches pour se repérer. Et peut-être, on va aller sur le sommet, poser quelque chose sur le sommet. Et je vois un cochon. Un cochon que je vais tuer pour récupérer sa viande, parce que... j'ai plus de barres de viande. J'ai très faim apparemment. Hop. Et il m'a même pas donné de nourriture. Toi alors, tu vas me donner de la nourriture. C'est un or. Allez. Donne pas de nourriture.
Et un bloc de cobble que j'ai pas mis là. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un donjon dans le coin? Oh! C'est pas un donjon. Bon, déjà, j'ai mangé le malheureux steak que j'ai. Hein. Ça remet rien du tout comme vie. C'est une mine abandonnée, j'ai l'impression. Parce que c'est pas moi qui l'ai creusé, ça. C'est assez dérangeant de. Bah, y'a rien, rien du tout. Ah, bah voilà. C'est assez dérangeant de trouver des structures déjà faites dans Minecraft, des trucs que nous-mêmes on n'a pas construit, parce que ça fait un petit peu. Enfin, ça fait un peu bizarre. Moi qui suis habitué à. Comme vous tous, à toutes les anciennes versions de Minecraft, où l'univers était complètement vierge, ça fait un peu étrange. Mais on va tous s'y faire. Oh, un mouton. On va tous s'y faire avec les villages et puis les PNJ qui seront bientôt là. Je sais pas s'il y aura des quêtes ou s'il y aura ce genre de choses, mais bon, on verra bien. Meurs, poulet, meurs! Oh, il m'a donné un poulet. C'est bon ça. Ça redonne que 1. C'est pas facile de. De pas mourir de faim quand même ici, hein, dans ce jeu. Alors, où est le mouton? J'ai perdu le mouton! Eh, c'est profond ça. Bon, on va pas s'éparpiller. Hein. Je propose que comme je crois qu'on n'est pas loin de la maison de base en fait, que j'ai vu en passant, je vais aller créer un coffre et puis poser tous mes trucs précieux dans la maison. Si je la retrouve. Voilà, elle est là. Et donc pour retourner à la mine, il faudra aller vers le sable. D'accord. Cet épisode n'aura pas été forcément super passionnant. Mais, je prévois dans l'épisode prochain de continuer à explorer la caverne que j'ai trouvée. Premièrement. Et deuxièmement, me faire des sorties nocturnes, une fois que j'aurai posé tous mes outils et tous mes minerais précieux dans un endroit, genre un coffre, par exemple ici, hein. On se pose le coffre là, et vous allez voir aussi l'animation des coffres. Bon là vous voyez derrière, hein. Hop, et ouais, le coffre s'ouvre. Bon, on met le charbon, on met ça, ça. Et puis voilà, hein. Comme ça nous fait notre endroit tranquille. Et on peut retourner dans la caverne. Mais en fait, d'abord, il faudrait manger. Et voilà, je m'aperçois maintenant, avec horreur, que j'ai une mémoire de poisson rouge. Puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que moi non, mais étant tellement habitué à ce pack de textures basique, j'ai oublié que dans l'Adventure, j'utilisais un pack de textures réaliste. Mais dans la mesure où je suis maintenant en 1.8, pré-release, mon pack de textures, je ne suis pas sûr qu'il soit. Compatible.
C'est ici ma grotte? Je ne connais pas cet endroit. Mais il m'intéresse. Je ne suis pas sûr que mon pack de textures soit compatible. Donc, je risque de rester avec le pack de textures basique le temps que la 1.8 officielle sorte et que les packs de textures soient remis à jour pour avoir des magnifiques textures de Enderman et autres joies de nouveautés de la 1.8. Voilà, voilà, c'est tout. Et pour terminer ce superbe épisode, je crois que j'ai dit tout ce que je devais dire. L'aventure continue. Petits épisodes sympathiques, sans se prendre la tête. Du Minecraft, tout basique. Et puis, je prévois, donc comme je l'ai dit, des petites séances de fun, de sortie la nuit, armée dans le seul but de tuer des mobs et de ramasser leurs ressources qui drop. Et enfin, dans le même genre que ce genre de sortie nocturne, peut-être, quand j'avancerai et que je serai suffisamment loin dans l'aventure, créer un portail vers le Nether, et puis faire des sorties dans le Nether, exprès pour, comment le dire simplement, buter du monstre et du cochon avec une armure, ou je sais pas ce qu'ils ont les cochons dans le Nether, mais ils ont une épée, pour tout ce genre de folie. Voilà, voilà, sur ce, je vous dis, on se retrouve dans le prochain épisode, puisque j'arrive au fond de cette grotte-là, qui a été bien sympathique et bien généreuse en minerai de fer. A plus !